C'est un peu plus que ça, mais oui, c'est ça. Vous pouvez passer quand vous voulez. Oui. Maintenant, c'est pas. Est-ce que les deux peuvent se cumuler? Ah, le même organisme. Mais ça, c'est une question à poser au. Voilà. Et puis à ce moment-là, quand on a des petites questions, je le ferai. Je le fais bien. Se faire vacciner contre la grippe, ça permet de ne pas confondre les symptômes grippaux des symptômes Covid. Et ça aide les médecins, et ça aide tout le monde. Hein. Je veux dire, c'est autant pour moi, mais moi je me sens invincible, ce qui est stupide. Est-ce que vous avez déjà eu le Covid ou vous étiez en contact avec une personne malade du Covid? Non, j'ai même pas été testée. C'est une durée qui dure depuis des années, quoi. L'année dernière, nous, à la pharmacie, on a fait 92 au total. Et là, on est peut-être déjà à 10, qu'aujourd'hui, que ce matin. Mon médecin traitant qui m'a dit, tu le fais tout de suite, pour justement éviter qu'il y ait eu pénurie, parce qu'a priori, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y avait pénurie aussi. Qu'ils arrivaient vite à rupture de stock. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent se faire vacciner par crainte justement d'être fragilisées par la grippe et dans ces cas-là de contracter le Covid. D'accord, c'est génial. Ouais. Il me manque ça. Tu rigolais pas la dernière fois pour faire le dos? Là, je suis reparti. Pour aller voir un cardiologue, on va pas aller voir le tout ça. Mais c'est pas. Ça devrait en général atteindre un peu moins de 1000 sur toute la campagne. Voilà, mais on a prévu les stocks. Dans tous les cas, nous, dans notre pharmacie, on a prévu les stocks. Le seul bémol qu'il pourrait y avoir, c'est voilà, si on a plus de patients qui veulent se faire vacciner par rapport aux années précédentes, on estime à 10 à 15% de plus. Donc voilà, à voir. Je peux même vous le ramener si vous avez besoin. Non, pas du tout.